Sandra Bérénice Michel, j'ai 28 ans et je suis aujourd'hui photographe, formatrice photo, vidéaste, réalisatrice, auteur. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai plusieurs chapeaux. Alors, cette belle qualification de télépilote de drone, je compte l'utiliser justement pour mes films documentaires sur le lien homme-animal. Alors, Drone Process m'a été recommandé par plusieurs personnes et de là, je suis partie voir un petit peu comment ça fonctionnait, les avis. J'ai vu des super avis et ce qui vraiment en fait m'a marqué, c'est l'accompagnement en fait sur la durée. C'est-à-dire qu'on vient en formation et même si on a terminé entre guillemets le passage formation d'une semaine ou de 2 semaines ou plus, en fonction de ce qu'on veut, on n'est pas lâché comme ça dans les bois. Vous êtes toujours derrière nous, donc ça j'ai apprécié. J'ai téléphoné et j'ai vu qu'il y avait tout de suite une bonne accroche. Alors pour l'instant, la formation se passe super bien. Ça correspond à ce que je voulais. C'est même plus académique que ce que je pensais et ça va bien parce qu'il faut en fait il faut vraiment se maintenir dans la formation. Donc ce point-là, moi je l'apprécie. Là, on commence à faire pas mal de pratiques et j'adore les exercices qui sont proposés. Donc pour l'instant, la formation se passe super bien. Alors pas forcément. Je crois que je m'attendais à rien au début, mais c'est vrai que comme le chapeau de cette partie de formation d'une semaine, c'est pratique, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on va faire vraiment que de la pratique, mais ça m'aurait étonné qu'on ne fasse pas un peu de théorique. Donc non, non, j'ai bien aimé justement la première journée où on prend le temps vraiment de poser les bases comme il faut, les scénarios, etc., avant d'être lancé à faire de la pratique, quoi. La vie sur une autre planète, j'ai envie de dire pourquoi pas. On peut se laisser y croire. C'est le genre de personnalité qui croit en une vie sur une autre planète. Je pense que c'est des gens qui sont un peu créatifs et rêveurs. Et je pense que je fais partie de cette catégorie de personnes. Donc pourquoi pas? Et comment serait la vie là-bas? À vous de l'imaginer.